passe maintenant? On reste ici, un sit-in jusqu'à 5 heures pour démontrer notre indignation, notre colère vis-à-vis d'un gouvernement qui n'est pas capable de négocier avec sa jeunesse. Voilà. C'est quoi la stratégie, pensez-vous, pour le gouvernement? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est une stratégie de gagner l'élection, quelque chose comme ça? Oui, si on veut, et gagner l'opinion publique contre les étudiants par des mesures qui font en sorte qu'ils deviennent de plus en plus en colère. Voilà. Est-ce que ça marche dans le stratagème du gouvernement de Charest ou est-ce que le monde est de plus en plus en solidaire avec... Moi, je crois que les gens, la population, deviennent de plus en plus solidaires avec les étudiants. Ouais. Même le RD, aujourd'hui, a fait un reportage à propos de la terrasse qui était gazée hier soir. Oui. Alors... Mais il faut pas confondre tout le mouvement étudiant avec quelques groupes de casseurs qui sont dans l'illégalité. Il faut voir le conflit dans son ensemble. Et la majorité des gens qui manifestent, des étudiants qui manifestent, le font de façon pacifique et dans la légalité. Ouais. Surtout la légitimité. Oui. Ouais. Alors, c'est plutôt un prétexte. Oui, c'est un prétexte. Voilà. Pour empêcher les gens de s'exprimer. Oui, oui. Après ce qu'on a vu, c'était plusieurs vitrines des banques seulement, pas des petits commerces qui étaient cassés. Je suis pas au courant de tout, mais oui, je crois que, pas hier, mais dans certaines autres manifestations, il y a eu des pierres de lancer dans les vitrines des banques. Oui, oui. Mais je crois pas hier soir. Ça. Non, pas hier soir. Non. Si rester debout jusqu'à 2-3 heures le matin pour regarder les vidéos sur l'école de l'Université TV, incroyable. Oui, ouais. C'est vraiment incroyable. Oui, c'est comme. Commence à être un peu pareil comme le Paris dans le 68 avec des barricades.